Bonjour. Je vais demander l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir vous passer le message. Que vos ancêtres parlent, que l'Esprit de Dieu puisse bouger en vous. Je viens enlever l'habituel. Je demande que Dieu vous donne la grâce pour pouvoir poser les actes qui vont vous aider à passer du niveau où vous êtes pour le niveau que vous avez demandé. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Voilà le premier. Je ne pourrais pas vous dire, je ne sais combien de fois je peux vous le dire. Vous n'avez pas le temps. Il n'y a pas assez de temps. Vous êtes encore dans les mêmes faux problèmes. Il y a des gens que depuis de janvier, voici avril, en 3 mois, leur vie a changé. 3 mois. Que la personne reste, la personne te dit, en décembre, je n'avais rien. Aujourd'hui, j'ai la voiture. J'ai acheté mon deuxième terrain. Et à voyager 3 fois. Acheter la marchandise. Votre problème, c'est que vous n'agissez pas. Vous connaissez les principes. Vous connaissez ce qu'il faut faire. Mais vous prenez encore Facebook pour un endroit à venir. Oh, tu es belle. Oh, j'aime ta vidéo. Oh, nice. Regardez. Oh, t'as un beau chapeau. Oh, likez sa vidéo. Il y a des gens qui prennent ce que je dis ici. En fait, quand je vois le degré avec lequel ils prennent mes enseignements, je ne suis pas choqué, mais je suis impressionné. Vous allez vous lever, bon mois d'avril. Pour moi, me souhaiter bon mois, ça veut dire que tu me donnes ou tu me fais quelque chose qui va m'assurer qu'au 1er mai, ma vie aura avancé. Les trucs de Noël, joyeux Noël, bon mois d'avril, bonne fête de Pâques, bonne fête de ceci. Je suis pas dans ça. Si vous ne changez pas votre mindset, le 31 décembre 2022, votre vie sera au même endroit. Prenez l'habitude de ne pas faire les check-up tous les 6 mois, toutes les années. Check ta vie tous les mois. Bonjour à tout le monde, bonjour. Ce que je dis là est tellement important, ça résonne tellement dans mon esprit. Vous n'avez pas le temps de vous amuser comme tout le monde. Si j'étais consciente de ça quand j'étais petite, c'est que même l'école là, je ne partais pas.
Ah, les enfants, je les vois le matin. Tout pour eux, c'est parti s'asseoir à l'école. Ils ne savent pas, c'est quand ils sortent de l'école que leur vie commence. C'est de 16h à 20h, 21h que la vie de l'enfant se passe. Quand je vais ouvrir mon école là-dessus, vous allez envoyer l'enfant, les enfants là-dedans. C'est de 16h à 20h que la vie de l'enfant se passe. Et de 4h30 à 7h. Si pendant ce temps, votre enfant regarde la télé, vous êtes en train d'échouer déjà votre vie. Vous échouez déjà l'éducation de votre enfant. Bonjour la reine au fait. Vous dormez, votre gars dort. Votre business dort. Toute votre vie dort. Et vous me suivez. Vous me suivez. Depuis 4 mois que tu m'écoutes, tu as déjà fait quoi? Même le sel pour mettre dans l'eau, tu ne fais pas. Il y a une femme qui est là, elle venait de France, je pense. Elle sort 10 euros pour la dîme, elle me donne. Je dis, mais tu es folle. Quand elle touchait son argent, celle-là, les mauvais esprits qu'elle vit dans l'argent, là. Même le billet d'avion, tu ne l'achètes pas à 100 euros. Vous vous moquez de qui? Vous souffrez parce que vous n'étiez pas éduqué. C'est la connaissance que tu appliques qui te sauve. Il y a les gens qui font ce que je fais. Il y a une autre venue ici. Quand elle est vue, parce qu'on a les insignes sur nous qu'on connaît, on se voit à distance, on connaît. Ma secrétaire demande, tu veux la consultation? Non. Tu veux le lavage? Non. Non, elle veut la voir. Je sais qu'il y en a, vous me regardez. Voilà, ça fait 20 ans que je fais ça. Bon, voilà. Ça n'avance pas. 20 ans. Je lui demande, est-ce que tu utilises ce que tu donnes à tes patients? Écoutez, l'univers est juste. Si elle vient vous dire, payez la dîme. Lavez-vous avec les ailes. Moi, Paul a dit dans la Bible que je peux prêcher. Vous êtes sauvés, moi-même je ne suis pas sauvé. Ce que je fais, je discipline mon corps. I harness my body. I harness my body, lest I preach to you and I be condemned. Voilà le secret des coachs. Avant de vous dire de faire quelque chose. Même si au départ tu triches et ça marche. Tu auras juste un... Tu vas faire feu jusqu'à un endroit. Tu vas rester là-bas pendant des années. Voilà, Louise, c'est ça. Elle fait son bilan chaque semaine. Il y en a qui doivent vous forcer pour faire la dîme. Ne faites pas. Même si dans le passé, tu as suivi, on t'a attaqué. Tu as chuté. Relève-toi. Tu connais déjà les principes. Applique les principes encore un à un. Tu vas voir. Ce qui t'a pris avant 15 ans pour construire, en 2 mois, c'est pour ça qu'il dit qu'aucune énergie n'est perdue dans cet univers. L'univers est juste. Pas la fait que quand tu perdais quelque chose, on te disait, ça va, ne t'inquiète pas, Dieu va te justifier. Dieu s'occupe des veuves. Non. Non. Oh my God. L'univers est tellement juste. On dit paie la dîme. Ah, moi, paie la dîme, pourquoi? Il y a des gens qui ont écouté mes enseignements.
Une dame là, elle quittait de, elle quittait l'Europe pour venir ici. Elle me commence à me suivre. Elle écoute les enseignements. Maman, quand la femme est venue, elle a le cahier. Elle dit que chaque direct que je fais, elle s'assoit, elle écrit. Quand j'ai lavé la femme là, lavé sa famille, j'ai parlé, 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 parlé. Ce que l'esprit me montait, je disais. Après, elle ouvre elle-même son cahier quand il faut faire ses propres déclarations. 70% de ce que j'ai déclaré, la femme l'avait, elle avait déclaré dans son cœur, elle a écrit dans son cahier. Vous n'êtes pas studieux, vous êtes paresseux. Elle lit, elle lit, elle lit. Quand elle lit, j'ai dit que comment la femme ça c'est? Parce que ce que je disais, je me connectais, je n'avais rien écrit. Elle lit, elle dit que mon fils, je prophétise ça. Ma fille, tout ce qu'elle a dit, donc, 70% de ce que moi j'ai dit quand je priais pour elle, ce qu'elle-même elle a dit. Je vais vous parler de la dîme dans une minute. Après, elle est restée au sein, elle dit, je suis sur la bonne voie. Je lui dis que tu es sur la bonne voie. Les gens désespérés que vous voulez seulement me parler là. Ouais. Et écoutez. Tout ce que j'ai en moi, je donne dans mes vidéos. Si j'apprends quelque chose à 8 heures, ou bien l'esprit me montre quelque chose à 8 heures, 8h30, je cherche à faire le direct pour mettre dans la vidéo. Voilà, Marie Shirley, voilà ton témoignage. Tu as écouté, tu as fait ce que je te l'avais seulement. Voilà, voilà ça, on t'a donné deux boulots. Bon, la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est 10%. Tu peux faire 11, tu peux faire 12, tu peux faire 15. Deux. Si tu as le business, 10% de ton profit. Si tu es salarié, 10% de ton salaire. Et quand tu reçois quelque chose de quelqu'un, assure-toi que tu déposes en retour. Toute personne qui est blâmant est bloquée comme ça. On te dit donne, tu dis ah. On te dit donne, tu dis ah. Moi, il donne pourquoi? Moi-même, je vais utiliser. Dans les 10% là, tu donnes ça là où tu reçois ta nourriture spirituelle. Il y a des gens souvent qui me contactent et disent que mamie, tu sais quoi? Je ne savais pas ce que c'était la dîme. Je ne connaissais pas l'importance. Je partais à l'église catholique. Ou bien, je ne vous chasse pas de vos églises. Mais il y a des enseignements que quand tu écoutes, ça résonne avec ton cœur. Tu sais que non. C'est ici là. Moi-même, j'ai ma personne qui est. Si elle fait 2 jours, je n'écoute pas l'homme là. Il ne me connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Mais l'esprit passe toujours par lui pour me donner mes messages. Net. 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 Ça me parle, ça me donne la direction. Beaucoup d'entre vous, depuis que vous m'écoutez, vous savez, vous connaissez maintenant la puissance qui est en vous. Quand il parle, il sent l'esprit sur moi. Tu es conscient de ton pouvoir. Tu arrives, tu te lèves le matin au salon, tu parles sur ta journée. Tu sais que la journée, ce sera une journée spéciale. Hier, yeah, je vous ai dit non. Quand il était en train de chanter, c'est là le matin. Les bénédictions que j'ai eues hier. Hey! Et ça, alors, j'allais mettre l'autre. La dame me dit,
Je ne savais pas, je ne connaissais pas la dîme. Maintenant que je connais ce que j'ai dans mon compte actuellement, je vais retirer 10% et donner comme dîme. Et ça faisait au moins 15 ou 20 ans que le père de la personne en question était décédé. Et il y avait cette grosse lourdeur, cette boule que cette personne avait. Blocage dans les relations. Parce que la relation avec papa n'était pas parfaite, n'était pas bien résolue. Après, il dit, comme j'ai payé ma dîme, je vais maintenant, je viens au Cameroun pour te voir. Pam, business. Il dit, mon business class, elle achète le ticket. Quelques heures plus tard, elle me dit, voilà mon ticket, que je viens. Elle est arrivée à dormir que ici, là où je soigne. Première nuit. Le lendemain, on a fait son travail. La nuit là, de la deuxième nuit, son père revient en rêve. Même pas qu'il revient, il vient. Hier, il vous a dit non, que c'est là que son père est venu, il a dit que prends les kits fondation pour tes... Écoutez, le mort vient lui dire dans le rêve de prendre le kit fondation pour ses frères qui sont bloqués depuis des années. Deuxième chose, il lui dit tu es au bon endroit. Je vous ai dit que ce sont vos ancêtres qui m'envoyaient. Je ne me suis pas envoyé. C'est pour ça que souvent, il me dit un jour que wow, j'ai rêvé, tu me lavais. Et quand tu me lavais, ma mère qui est morte était derrière toi, elle te disait que mets ça dans l'eau, mets ça dans l'eau. Aucun de mes lavages ne ressemble à l'autre. Il y a les jours que je lave, je vous mets au-dessus de l'arbre. Non, je blague. Ouais, c'est que. Moi-même, c'est là. Mes lavages ne ressemblent pas aux autres. Parce que. Mais quand je lave, je m'assure que j'écoute. Et voilà le premier. Vous avez dit qu'il y a les séances de lavage aujourd'hui. Le premier du mois. Si vous avez vos règles, dites comme ça, on ne vous lave pas aujourd'hui. Le 5, je serai en Côte d'Ivoire. Je vais encore faire une autre séance de lavage à distance. Quand on a fini tout le travail de la femme là hier, elle a porté les produits même de 700 000 francs ici. Toute sa famille. Elle me dit, je suis légère. Que depuis que je suis arrivée dans ta maison, premièrement, mon pied qui me faisait mal là. Elle avait fait accident de travail là-bas en Europe. Deuxième chose, elle dit, je communique maintenant avec mon père. Depuis qu'il est décédé jusqu'à aujourd'hui, on ne communiquait pas. Et quand elle parle, on s'est dit que je le vois. Comme je te parle, on s'est dit, je le vois. Et avant-hier, quand on est sorti, on a tellement parlé de son père. C'est dans la nuit de ce avant-hier à hier que son père est venu. Dans la nuit, on tente de manger. On faisait que dit que oui. Je lui dis que ton père est là, mais elle ne sentait pas. Je dis que ton père est là. Il entend dire ceci, il entend dire cela. La nuit, il vient dans son rêve. Il parle. Bonjour le roi Wafo. Et depuis hier, elle me reste comme ça là. Elle dit, je sens la présence de mon père. Je le vois. Parfois, elle dit, je suis bloqué. Écoute, ton blocage ne t'a pas encore touché. Tu n'as pas encore été bloqué. Quand la femme a pris le billet d'avion, même la veille du jour, elle devait venir, le test Covid, avec le test Covid, ça a disparu du système. Elle me dit, maman, je suis dépassée. Après, elle rentre dans sa chambre, elle prend le don, elle parle. Elle marche. Elle dit qu'une infirmière a dit qu'elle ne va pas dormir. Donc, c'est pas l'infirmière a dit. L'infirmière lui a envoyé le test Covid à 22h. Vous connaissez en Europe, une infirmière laisse son travail à 22h pour t'envoyer le test Covid. Alors, et elle voyage le lendemain à 6h. Je lui dis que ma chérie, les ancêtres ont dit à la femme là que tant que tu ne le fais pas, tu ne rentres pas. Quand on envoie le test, ça disparaît du système. Ça disparaît du système. Vous devez avoir la détermination sur vos choses. Bonjour, c'est le roi Nubisi. Quand tu payes ta dîme, parce que écoutez, la dîme te protège. Allez lire Malachi chapitre 10. Pardon, 3, versets 10, 11 et 12. Ça protège tes finances.
Ça te protège toi-même. Et le jour où la dame là me dit qu'elle a payé sa dîme, elle est d'abord partie dans. Elle part dans tel quartier pour payer, on ne prend pas, on ne fait pas, on ne prend pas les cartes. Elle part dans tel endroit. On ne, pour payer la dîme, elle a dit que je vais que pour payer ma dîme aujourd'hui. Et le jour là, elle a évité trois accidents. Elle dit que dès qu'elle a payé sa dîme, elle a failli faire. Donc, elle a failli faire cela trois fois. Parfois, il y a des mois où vous avez les choses qui se gâtent. Ton enfant tombe bêtement malade. Tu te retrouves à l'hôpital, la fatigue, oh, tu es aux urgences, ceci. La dîme protège. Écoutez, je ne suis pas votre ami. Tu me salues, je ne réponds pas. Je ne suis pas votre ami. On n'a pas mangé des trucs ensemble. Donc quand vous venez sur ma page, ça c'est ma page. Il peut te supprimer ses vœux. Il peut te saluer ses vœux. Ça ne te plaît pas, tu pas, non. Ne venez pas avec vos langages n'importe comment, je vous en prie. 50 personnes peuvent me saluer. Je vois les salutations de deux personnes. Pendant que tu me salues, mon esprit, je te salue. Va lire combien de saluts là-bas, je n'ai pas répondu. De salut, tu ne réponds pas. Tu es qui? Depuis que tu as écrit, voilà moi, c'est 4-3 personnes qui ont commenté. Je ne les ai pas saluées. Quand on dit un truc, vous ne comprenez pas ce qu'il y a derrière. Tout pour vous, c'est moi, salue-moi. Vous savez qu'on fait ici, là, vous venez ici, vous grondez souvent physiquement là-même. On donne les enseignements, tu ne fais pas, tu n'écoutes pas. Vos finances sont bénies malgré tous vos dons. Tu as les dons de vision, tu as les dons de ceci, prophétie. Parce qu'il faut faire un don quelque part. On dit, va donner à l'orphelinat, tu ne donnes pas. Va faire le sadaka, tu ne fais pas. Paye la dîme, tu ne payes pas. Ce n'est pas ta dîme qui va m'enrichir. Pas tes 2500 que tu vas venir donner là. Ça ne construit pas la maison. On achète pas le terrain avec 1000 francs. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué. Je vous dis, hora. Tu as 10 000 aujourd'hui. Paye la dîme de 10 000 là, tu vas voir. J'ai dit que j'ai une reine qui m'a contacté. Quand elle m'a contacté, les attaques qu'il y avait eu sur elle. C'était le Helele. Elle me dit, j'ai une page de 70 000 abonnés. Quand elle fait le direct, je n'ai même pas 1000 vues. Je lui dis, ma chérie, tu manques de puissance. On a pris ta puissance. They took your power away. Thank you, le roi Wafou. Prophète sans finance, c'est un comédien. Ça, là, tu as le sens de l'humour. Prophète sans... Oh my God. Elle a commencé son travail. La femme là avait un esprit de rejet sur elle. Le genre que c'est fameux la vidéo, tu passes sur le forme, ça là, tu vois. Quelque chose là, ça va faire que tu dis, ah. Elle a commencé, ça fait au moins 2 mois qu'elle fait le travail. Lavage au sel, je suis sûr que quand son mari, la tout ça là, elle, même moi là, je suis salé, vrai. Je suis salé. Oh Seigneur. Je me disais pour quelqu'un alors que moi-même je suis salé. Oui. Elle a payé le lavage. Payer ceci. Payer cela. Faire. C'est après même un mois et demi de travail que je l'ai consulté. Je n'ai pas parlé le premier jour. La consulte, je lui dis, voilà, tu n'es même pas censé vendre tes choses que tu vends là. Ta part, c'est dans le coaching. Tu es censé motiver les femmes. Mais il y avait encore un peu de peur. Elle dit, ah, tu sais. Tu vois, quand ton âme est abîmée, parce que les gens, et dans sa famille, on l'avait tellement détesté depuis des années. L'oncle, la tante, tout le monde. Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Une m'a même dit hier que ses frères même l'ont toujours détesté. Parce que son père l'aimait trop. Quand son père dit, allez laver ma fille chérie.
On la prend comme ça, on la lave avec le kouchan bac. Vous connaissez le kouchan, non? L'éponge métallique, là. On la prend comme ça, on met les fourmis magnans sur elle. On met les fourmis magnans sur elle. On l'insulte que tu es noire. Donc, le genre, imagine le genre de femme, là. Tu grandis comme ça, là, tu as ton... Donc, on t'a détruit, on a détruit ton image de toi. Elle commence par la foi. L'autre jour, elle m'écrit, elle me dit, j'ai ma première cliente de coaching. 50 euros. Elle était contente. Elle a envoyé la dîme des 50 euros, là. Chaque jour, donc peut-être tous les deux jours, la fille elle envoie la dîme. Alors qu'avant, elle a dit que ma chérie, c'est quand tu vas te mettre dans ton don, ça va venir. Même si on a fait le tout pour te mettre à terre, pour t'abîmer avant. Lui dit que le genre de restauration que tu vas avoir là maintenant, hein, toi-même tu vas voir. Toi, Erika, hein? Toi-même, tu vas voir que yay, debout aussi rester comme ça là. Je fais 5 mois, je ne vois pas de perte. Tout ce que je fais, ça marche. Bonjour, monsieur Warren. Tu regardes en arrière comme ça là. Tous tes plans marchent. Tu achètes 2 terrains. Le monsieur dit que le 3e terrain, je te fais ça à moitié prix. Tu payes, tu payes. Tu payes 40% des COVID. Laisse même le reste. La faveur. La faveur. Anne-Marie est bon, ça c'est là. Pour toi, ça a l'air de la haine. Beaucoup d'entre vous, il y a souvent. Beaucoup d'entre les membres de votre famille vous détestent. Et vous ne savez même pas. Tes tantes là sont prêtes à aller. Prêtes à aller chez le. Même pas que prêts, ils partent, ils sont partis. Et il y en a qui. Ils vont venir te dire. Je vais voir comment tu vas accoucher. Si tu prends compte peut-être quelqu'un que la personne commence à t'aider spirituellement, ils vont aller menacer la personne. Parce qu'ils savent qu'ils étaient tous là pour t'embrouiller. Il y en a parmi vous que vous avez même déjà dépensé 500 000 euros sur votre famille au pays. Tu envoies, ils engloutissent. Tu envoies, ils achètent les terrains. Après, tu as demandé encore où le titre foncé de ça. Wow. Dans le spirituel, quand tu veux te délivrer de quelque chose, tu dois faire tout ce qui est faisable. Dîme, tu payes. Offrande, tu fais. Lavage, tu fais. Tu lis ta Bible. Tu payes aux orphelinats. Tout. Fais. Tu pars au village, tu la tombe, tu parles, tu fais le salakao, tu fais... Ouais. Dans la spiritualité, tu ne connais pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Certains d'entre vous, même déjà 3 générations, ton arrière-grand-mère n'a jamais fait quelque chose. La grand-mère n'a pas fait, la mère n'a pas fait. Donc quand tu es là, tu fais ton travail spirituel, tu dois d'abord combler l'arrière-là. C'est pour ça que depuis, tu as l'impression que tu fais les choses, ça n'avance pas. Hier, une arrive dans le tout, elle s'assoit dans ma salle. Elle commence à pleurer. Ouf, elle est insultée. Je suis fatiguée. J'ai déjà trop fait. Je suis allée faire le lavage au village. Je suis allée faire ceci. Je suis allée faire ceci. Parfois, tu l'as traversé 3 fois, marabout, pour tomber sur le bon. Excusez-moi, je me moque de vous. Oh, Seigneur. Oh Seigneur, les gens n'aiment pas la joie des gens. Tu traverses 5 fois marabout. Tu dis, oh, on m'a amené au-dessus de l'arbre, on m'a lavé. On m'a amené à la rivière à 5h, à minuit. Tu es fatigué. C'était le cheminement pour que tu arrives sur le bon. Et quand tu arrives même sur le bon là, c'est toi-même encore qui fais tes propres choses. Vous là, vous connaissez, non? Même si tu es là, je vais te dire que rentre à la maison, tu fais encore ça toi-même. Tu ne peux pas travailler toi-même à la maison. Hein? Oublie.
Béatrice, tu as bien dit, c'est par chance que tu trouves même le bon. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me dire, ouais, tu es sûr que ça va marcher. Je dis que, oh, une femme vient hier, me dit, j'ai fait le lavage le mois passé, rien ne s'est passé. Sûrement, je te lave, tu t'es lavé le jour-là. Tu es parti, tu ne te laves plus avec le sel. Tu n'as pas payé de 10 minutes d'offrande. Tu ne pries même pas. Tu ne fais rien. Alors que ta famille a trois générations de malédictions qu'il faut enlever. Tu vois, c'est un lavage qui va enlever? Je vais me moquer de vous, attendez. Le travail spirituel, ça prend l'argent. Je vous ai dit que la femme que je vous dis là hier, elle a acheté 700 000 francs. Produit, produit, lavage. Produit, produit, produit. Toi, tu as 20 000, tu te plains déjà. Pour grand argent là, hein. Grand argent. Comme tu veux beaucoup d'argent là. Papa, je vais payer mes 1000, je vais donner 1000 francs à l'orphelinat. Et puis, Seigneur, bénis-moi avec 100 millions de francs, CFA. Il dit que, wow, 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 wow. Pardon, attendez. Ouais, la spiritualité. J'ai les périodes où j'ai donné. Je parle, il dit que, homme de Dieu, wow, je donne. Je prends la moitié de mon salaire, je donne. Il dit, Seigneur, je suis fatigué, j'ai déjà donné, c'est quoi? Il me dit, il fallait d'abord que tu travailles ton, que tu apprennes à donner quand il te dit de donner. Tu apprends à donner quand il te dit de donner. Maintenant, je vais t'amener au bon endroit. Quand tu vas donner là-bas comme ça, deux jours après, même le soir là, tac, 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 ouverture des portes. Tac, 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 ouverture des portes. L'année passée, on m'a envoyé un guide spirituel pour qu'il finisse ma formation, quoi, quoi, là-haut. Hey! Chaque fois que l'homme-là me disait qu'on peut faire les achats, je disais, manque, voyo, voilà encore 500 000 qui va sortir. Il arrive dans le magasin des articles comme ça, là. Il fait ce bon, ça, là. Il dit, ça. Je dis, mais l'esprit, là, te dit que quoi, non? Ça. Facture, madame, 350 000. Il dit, wow. Maman, me voilà. Que vous avez fait le travail spirituel, vous n'avez pas encore fait. Vous n'avez pas encore fait. Bonjour, ça va? Le roi James, bien comme tu conseilles la personne, j'espère qu'elle va écouter ce que tu dis. Parfois tu parles, c'est comme si tu détestais seulement la personne. La personne va croire que tu veux son mal. Je sais que parfois il ne me casse même pas. Quand vous posez vos questions là, il n'est pas l'urgence. La mangue est tombée, je ne ramasse pas. Ah, donne-moi ta chaise là. C'est le lapin qui a mangé ça. Ah d'accord. Le mangue, c'est là vraiment, ça ne produit même pas. Le mangue est là. Merci. Ah. Écoutez. La première chose que vous devez comprendre, c'est que aucun
travail spirituel n'est perdu. Donc tu ne peux pas dire que j'ai fait telle chose depuis tel nombre d'années. Tout ce que tu dois chercher, est-ce que je suis sur le bon chemin? Check avec l'esprit. Et si tu m'écoutes depuis un certain temps, je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez. J'enseigne beaucoup parce que votre discernement spirituel doit s'ouvrir. Donc tu dois avoir l'esprit de discernement. Tu n'as pas seulement le genre que, ouais, tu restes seulement comme ça là. Oh, on m'a dit de partir à l'église, tu passes seulement bêtement. Tu ne comprends pas le pouvoir qui est en toi. Tu ne comprends pas la Bible même quand tu es lié à l'église. Donc toutes ces choses se mettent ensemble. Vous allez voir quelles choses que tu as appris quand tu étais avec ta grand-mère. Il y a des choses que tu as appris quand tu étais, je ne sais même pas, au village. Tu as appris quand tu allais chez une de tes tantes. Tu as appris. À un moment, tu vas voir que ton esprit même aussi va t'enseigner. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes parfois les héritiers de vos grands-pères, je ne sais pas, les successeurs de vos grands-pères, grand-mères. Là. Et ces aïeux, ils sont là, ils essaient de communiquer avec vous. C'est pour ça que vous devez toujours demander l'assistance de vos grands-parents. Et vous invoquez aussi tout ancêtre qui est mort avant que vous ne naissiez. Donc, s'il y a un ancêtre qui est, supposons, la grand-mère de ta grand-mère, il y a de fortes chances que tu ne l'aies pas rencontré. Donc, quand tu pries, et puis tu dis tout aïeux qui est là, qui me protège et qui me parle, et je n'en suis pas conscient, je vous invite, venez. Quand la femme là est venue, celle qui est arrivée de France, toujours là, quand on s'est assis, j'avais vu comment, quand j'allais commencer son travail spirituel, elle s'assoit, elle dit, j'appelle ma grand-mère, elle dit la même le nom de sa grand-mère, le nom de son grand-père, le nom de ceci, le nom de cela. Et moi aussi, j'appelle aussi mes ancêtres. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Merci le roi Wafo. Donc, le check-up que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est de vous asseoir vous-même. Regardez les 30 derniers jours. Et puis, généralement, hein, en une semaine, j'accomplis ce que j'aurais fait en 3 mois. Je vous le dis sincèrement. Tous ceux qui me connaissent, qui me visitent souvent. En une semaine, je fais ce que j'étais censé faire en 3 mois. Donc, dis-toi plutôt, même les papiers, parce que ça fait 8 ans que tu attends tes papiers, ça fait 2 ans que tu attends tes papiers. Tu peux bouger la main des gens là, ils te répondent. Je ne sais pas le nombre de personnes. J'ai une dame, j'ai lavé une fois. Elle, alors, quand elle a envoyé son petit frère ici là me voir, ça part là, c'était grave. Petit frère bloqué. Elle-même qui est en Allemagne, bloquée. Elle était dans un foyer avec un Allemand. Et elle attendait sa nationalité. Donc ils étaient à séparer, ils faisaient chambre séparée depuis. Mais l'homme voulait la bloquer parce que l'homme savait que si elle sort de la maison, là, sans avoir la nationalité, elle ne peut pas. Parce qu'on donnait sur la base de l'homme. Je crois que son frère est venu la première fois en fin novembre. J'ai vu, j'ai donné les produits, j'ai envoyé à sa soeur. Pour lui, moi, j'ai donné. Parti faire. Mais elle n'arrivait pas à me voir pour la consultation. Elle est restée ça, traîner. Après, finalement, je lui ai fait une consultation. Et elle a envoyé sa photo pour le lavage. Elle a attendu un mois. Chaque fois qu'elle faisait le lavage, sa photo disparaissait. Donc, on imprime les photos, mais je cherche sa photo, je ne vois pas. Bonjour. Je cherche sa photo, je ne vois pas. Un jour, je me suis décidé, dit que mamie, on va te laver aujourd'hui. Je prends, dès que je mets pour laver, je l'appelle. Elle décroche. Elle me dit, je suis dans la salle. Je suis dans le bureau de naturalisation. Je lui dis que ne t'en fais pas. Elle dit qu'ils m'ont appelé. Je ne sais pas s'ils m'appellent seulement pour me dire qu'ils ne veulent pas me donner la nationalité. Je ne sais même pas. Je lui dis que ma chérie, ne t'en fais pas. Ce n'est pas le hasard si je t'appelle pendant que tu es dans la salle là. Et soit tu fais ton lavage. Elle raccroche. Je fais son lavage, je fais. 15 minutes plus tard. Elle envoie seulement le voice que oh, j'ai ma nationalité. Qui m'appelait pour me donner? Oh, j'ai ma nationalité. Elle dit, enfin, je vais sortir de la maison là. Enfin, enfin. J'ai dit, mamie, laisse. Ce n'est que le début. Je crois qu'il y a une autre. Elle, je ne l'ai même pas consultée. Elle a parlé à la représentante qui est à Washington. Elle a pris le kit déblocage. Elle a fait 7 jours de jeûne. Le 8e jour de son travail,
Ça faisait 2 ans, donc depuis 2019. Elle n'a pas de papier, son fiancé n'a pas de papier. L'homme était vraiment là, oh, il faut qu'elle parle me marier ailleurs, je suis fatiguée, ça fait 6 ans que je ne suis pas partie au Cameroun, oh, je veux voir mes enfants. Il voulait aller se marier dehors pour avoir les papiers. Et elle avait fait, elle faisait aussi le don, elle parlait les matins. Elle dit que le 8e jour, l'immigration lui écrit, et ça faisait 2 ans, pas de nouvelles. L'immigration écrit, on dit que on est en train de dealer avec votre dossier. Et elle a rêvé ce même mois qu'elle avait ses papiers en masse. On fait son lavage. Pendant qu'elle fait son lavage, elle fait aussi pour son fiancé. Quand elle finit le lavage, elle me dit, tu sais quoi? Je ne sais pas, mais je suis légère. Je voudrais tout dire que quand Dieu va faire quelque chose dans votre vie, vous-même vous sentez en avance. Tu sens. Elle dit que je sais que... 2 heures plus tard, elle me contacte, elle me dit, j'ai passé mon examen. C'était le quoi là? Un examen de quoi qu'elle faisait dans la cosmétique. Ça faisait des mois qu'elle attendait le diplôme. Et maman, j'ai passé mon examen. Enfin, je vais avoir ma certification. Il y a les blocages dans votre vie. Ça te frustre. J'ai fait 6 ans sans papier en Angleterre. Je ne comprenais pas pourquoi les gens là ne me donnent. Pardon, laissez comme ça. C'était une frustration qu'elle donne dans le rêve souvent. Je reste comme ça, je rêve comment, mais je fais mon truc, après on m'appelle, on me dit qu'on a... C'était une frustration dans mon âme. Et je ne pouvais rien faire, tu vois. 10 ans, tu es là, tu attends. Et c'est que, pour mon cas, j'envoie l'application, you know, à scène de Fini. 12 mois plus tard, ils t'écrivent pour te dire bonjour, Laura Feuillot. 12 mois plus tard, ils t'écrivent pour te dire, oh, on a reçu ton application, mais ce n'est pas complet. J'ai dit, pourquoi vous ne m'avez pas écrit 1 mois plus tard? Tu prends encore peut-être 1 mois. Tu refais encore tous les papiers qu'ils veulent. Tu renvoies l'application. Il faut 18 mois. Et les Anglais, quand tu fais ton application chez eux, tu envoies même ton passeport. Mon vous la reine Olga, tu envoies tout avec ton passeport chez eux. Donc tu ne peux pas voyager. C'est pas comme les Français qui te donnent le récépissé. Tu restes. Imagine 12 mois. Tu ne connais pas si on a donné tes papiers ou pas. Tu ne connais pas si tu as. Quand tu vois la police, chaque fois, tu as peur. Gars. Et tous les trucs de spiritualité, tout ça. Moi, je disais, car, pardon, qui t'avait ça. Et tout ce que je rejetais et j'étais perdue parce que ma mère ne m'avait pas appris tout ça. Vous cherchez quoi? Voici ça. Pourquoi tu n'as pas demandé? Voici ça. J'ai toujours tout. Regarde là-bas. Vous allez me donner la carte, dame. Ils m'ont donné ça quand j'étais dans la voiture. Moi, j'ai toujours tout, hein, tu sais. Et quand je restais comme ça, je me disais, mince, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Relation à terre, papier à terre, l'argent que tu as. Donc, c'est comme si tu avais seulement l'argent juste pour te souvenir de tes besoins. Là. Juste pour. Donc, tu ne vois jamais 10 000 pounds dans ta main en une fois. C'est toujours les 100 pounds, 100 pounds, 500 pounds. Tu paies le loyer, c'est fini. 100 pounds, 500 pounds, 900 pounds. Donc, tu n'as jamais en une fois 10 000. Le genre que tu peux acheter même un terrain, tu déposes. Le genre que tu peux faire quelque chose avec. Ça, ce sont les blocages. Généralement, quand tu, je ne sais pas pourquoi, dans les rêves de beaucoup de Camerounais, étau, c'est un symbole que les ancêtres utilisent beaucoup pour vous donner, pour monter la prospérité. Je ne peux pas vous dire combien de personnes ont rêvé d'étau. Même la reine là que je disais qu'elle vient de lancer son coaching. Maman, avant-hier, je me réveille, je vois ses messages. Elle me dit, j'ai rêvé. Étau est venu, il m'a donné plein de bougies. Il m'a donné la clé d'une Q7. Il est venu au milieu de tout le monde et il m'a choisi. Je dis que c'est un symbole de prospérité. Je ne vais pas vous mentir, je suis sûr que Eto, c'est un agent de lumière. L'homme a un bon cœur. Ce n'est pas pour rien que les ancêtres l'utilisent beaucoup. Beaucoup, beaucoup son image.
Donc moi, on ne m'avait pas appris tout ça. Ce qui fait que quand je restais souvent, ça ne marchait pas. Je prie, je prie, je prie, je prie. Je prie. Je vois mes cousins, cousines. Leur mère pas au village, fait les choses. Pour eux, leurs choses marchent. J'ai une de mes soeurs là, elle arrive en Bengonça, là, pam, elle demande son asile. Pap, on lui donne. Après 3 ans, elle a sa nationalité. Moi, je suis là depuis 10 ans. Donc ça ne donnait pas. Ça ne donnait pas. Ça ne donnait pas. Donc, vous allez. Le lavage, on va faire ça en direct. Je vais faire une séance. Il y en a qui vont venir physiquement ici à Douala. Et il y en a que ce sera en ligne. Donc, on va faire la séance. L'année dernière, j'ai fait un petit direct, une portion. Donc, ceux qui vont venir ici physiquement, venez avant 11h. Parce qu'on va commencer à 12h00. Parce qu'il y a les préparatifs, il y a les ceci. Vous devez écrire ce que vous voulez. Le mois passé, on a une autre qu'on l'a lavée. Après 2 jours, elle a une rentrée de 500 000, alors que généralement elle est toujours dans les 60 000, 70 000. C'est bien qu'elle a payé la dîme de 50 000. Elle me disait que donc, Seigneur, que le mois-ci là. Donc, et quand on faisait le lavage, elle avait beaucoup pleuré. C'est que le Seigneur, en fait, lui, de renouveler sa parole dans son cœur. Les promesses que Dieu lui avait faites depuis, là, il tente de renouveler. Vous devez comprendre que parfois certaines frustrations sont faites pour que votre esprit se réveille. Pour que tu te fatigues de souffrir. Que tu te fatigues. Donc pour ce mois d'avril, hein, en payant votre dîme, vous allez. Parce que je vous ai dit que vous devez avoir le cahier de la dîme. On doit avoir le cahier de la dîme. Pour certains pays, le lavage c'est 20 000. Pour certains pays, c'est 30 000. Ceux qui sont au Cameroun, c'est 20 000. Ceux qui sont à l'étranger, c'est 30 000. OK? Donc, en payant ta dîme, premièrement, demandez aux ancêtres de vous révéler l'endroit géographique où vous devez être. Très important. Quand tu rates ta localisation géographique, peut-être que tu vas réussir à Badjoun. Et tu es à Paris, tu essaies de réussir. Et Dieu te donne les indices depuis. Va à Badjoun, va à Badjoun. Va à Badjoun. Tu vas sur une pancarte, on écrit Badjoun. Alors que tu es à Paris. Dis comment est-ce que je peux venir physiquement aussi à Douala-Vie. Comment est-ce que je peux voir la plaque Badjoun alors que je suis à Paris. Je suis en plein centre-ville de Paris. Je suis aux Champs-Élysées. Je vois quelqu'un qui est sur une pancarte Badjoun. Peut-être qu'il s'est levé le matin là, il a vu Badjoun quelque part, ça lui a pris l'écrit. Il écrivait ça pour toi. Vous comprenez bien? Demandez qu'il vous montre l'endroit géographique où vous êtes censé prospérer. Deuxièmement, qu'ils enlèvent tout fardeau. Parce que quand je fais le lavage, je prie pour vous, vous-même vous priez pour vous. Il y a une partie où je dis, vous-même dites ce que vous voulez. Que le mois d'avril-ci, toute mauvaise personne derrière vous, amitié ou mariage même, toute personne qui est dans votre vie pour détruire votre destinée, demandez aux ancêtres de les enlever derrière vous. Tu vois comme quelqu'un qui donc, tu as fait 5 ans, tu dis que tu vas quitter l'homme là. Ou rester comme ça là, il part, il n'a plus envie de l'appeler, tu n'as plus envie de l'appeler. Ça finit comme ça là. Il leur a dit ça peut aussi possible, on te met plutôt. Oui, je vais te dire ça. Donc, premièrement. Tu étais où hier? Bonjour, madame. Bonjour. Bon, je vais te dire ça d'abord, premièrement. Et le PDG, lui, en tête de celui qui m'a d'abord. Vous bavardez là mon direct, les gars, si je suis en train de faire le direct. Vous avez fini. Vous pouvez aller là-bas faire votre réunion, s'il vous plaît. Merci. Vous devez demander aussi. Eh bien, dit que vous demandez qu'ils vous montrent, qu'ils enlèvent les mauvaises personnes derrière vous. Troisièmement, qu'ils vous montrent dans quoi vous devez faire. Parce que certains d'entre vous êtes dans la mauvaise profession. Vous êtes dans le mauvais business. Tu es en train de vendre les chaussures alors que tu es censé coacher les gens. Tu es infirmière
alors que tu es censé être, je sais pas, avocate quelque part. Alors que peut-être tu es censé avoir des magasins même. Donc, il y a des noms ici. Si vous êtes dans un pays, vous n'arrivez pas à nous joindre au Cameroun, contactez les représentantes. Vous pouvez payer les lavages avec les représentantes. Ce qui est bien quand tu fais la représentante, c'est qu'elle va suivre ton lavage. C'est-à-dire, tu la contactes, elle fait, tu fais le paiement chez elle et elle va passer ta photo chez moi. Et si tu as des intentions, tu donnes aussi. Et pendant le lavage, elle va s'assurer que ton lavage a été fait. Donc, toutes les personnes, si vous avez vos règles, vous ne faites pas votre lavage aujourd'hui. Donc, le 5, je vais faire un autre lavage collectif encore. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas pu faire aujourd'hui parce qu'ils avaient leurs règles. Voilà. Donc, j'ai dit premier, vous demandez, vous avez noté. Non, si vous n'avez pas noté, c'est bien pour vous. Deuxième, vous demandez que les mauvaises personnes qui sont derrière vous. Troisièmement, vous demandez la profession que vous devez exercer. Dans quoi vous devez faire. Certains d'entre vous êtes dans la mauvaise profession. Demandez clairement au Saint-Esprit que ce mois d'avril, que ce soit clair pour moi. Bon, si tu es en Russie, contacte le Camerounais parce que je n'ai pas de représentante en Russie. Même celle de France, contacte une personne en tout cas, celle qui répond, répond. La représentante du Gabon, je n'ai plus de représentante au Gabon. Parce que ce n'est pas... Je ne sais pas pourquoi les Gabonais, ils vous demandent de prier. Quand je rentre de Côte d'Ivoire, je ne vais pas venir chez vous. J'ai l'intention de venir, mais... Du coup, on poste seulement vos produits, on poste au Gabon. Donc, en numéro 4, demandez au Saint-Esprit et à vos ancêtres. Oui, c'est possible de faire le bain d'aujourd'hui à distance, de rattraper à distance. Mais si vous envoyez votre photo plus tard que 9h, je ne vais plus imprimer. Parce que si, après, il faut imprimer, il faut mettre dans les assiettes, il faut faire tout ça là. Non. Donc, demandez au Saint-Esprit, à vos ancêtres. Je dois utiliser même quoi? Vous avez des questions, hein? Ne me distraire vos questions. Nelinga, ta mère peut payer pour toi, non? Comment poser des questions comme ça? Le moment où l'argent entre, on dit que c'est ton argent, c'est bon. Posez-moi les questions qui sont normales. Hein? Dans le numéro 4, il t'a dit quelque chose. Oh purée. Vous pouvez me faire votre lavage 4 fois. Vous faites le lavage de fondation, lavage de déblocage, lavage du début du mois. Voilà les lavages qu'elle vous dit. Mm-hmm. Les lavages pour enlever le voile, pour assurer l'attirance. Tous les lavages que je fais n'ont pas le même nom, le même but. Donc celui-ci, c'est pour ouvrir les portes du mois d'avril. En numéro 4, je vous ai dit demander quoi? Pendant ceux qui m'écoutaient et qui notaient là, dites-moi s'il vous plaît. Donc, vous n'étiez pas attentif. Voilà. Que l'esprit donne la discipline. La discipline, tu parlais de discipline. Beaucoup d'entre vous, vous avez le problème de discipline. Tu n'arrives pas à... Dis que tu vas faire quelque chose, tu fais la chose. Tu n'arrives pas à... Même le lavage qu'on dit cela, tu ne connais pas te laver au sel régulièrement. Oui, la reine Kadiatou, je t'ai parlé hier, non? La reine Kadiatou, je ne fais pas ça. Hein. Je ne fais pas le genre là. Déjà que tu dis que est-ce que je vais me marier ou pas? Si c'est que tu c'est dit que tu vas te marier et que moi il dit que tu vas pas te marier, tu vas te marier? Apprenez à avoir la foi. Je vous enseigne sur la page à avoir la foi. Il y a même dans la Bible un homme là, il a désobéi à Dieu. Dieu a envoyé le prophète pour lui dire que dis-lui qu'il va mourir. Il s'est tourné, il a pleuré que Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Que si tu me tues maintenant, qui va te louer? Qui va aider les orphelins là? Dieu appelle le prophète quand il était dans la cour, il partait. Il dit que remonte encore, lui dit ça. Remonte, lui dit que j'ajoute 15 ans à sa vie. Donc, même Dieu lui-même peut changer d'avis sur vous.
Le roi Wafo, il y a, tu dois boire beaucoup de... Tu vois... si tu pars, demande le truc là, Saint-Jean de la Croix. Prends la poudre là, tu mélanges avec la poudre de désenvoûtement. Tu bois ça même pendant un mois. Manas émeraude, si c'est ce que dans tes rêves on t'a dit, il faut faire non. Le roi Patrick, tu as disparu depuis, comment tu vas? Beaucoup d'entre vous, vous voulez, mais vous n'arrivez pas à mettre l'action sur la volonté. Donc, pour ce mois d'avril, demandez la discipline. Que même si tu rentres à 3 heures, tu fais ton bain avant de dormir. Même si tu te lèves à 8 heures et le travail commence à 8h15, tu fais ton bain avant de dormir, avant de partir. Discipline. La reine Angéline, tu as demandé quoi? Tu me demandes de te répondre. Tu es aussi venu avec le bonjour. Hein? Oh yeah. La fille de Pierre, la reine Pierrette. Bonjour bébé, ça va? Le kit fondation en France, je ne sais pas ma chérie. Fondation ici, c'est 50 000. Donc là-bas, ça doit avoisiner sans quelque chose d'euro. Hein. Parce qu'ils mettent le transport dessus et tout ça là-dedans. Parce que même si tu prends au Cameroun, tu vas encore payer le transport, même 20 000. Donc... Levez-vous souvent tôt le matin, vous vous asseyez. Vous vous levez tôt le matin, vous vous asseyez. Vous écoutez les instructions que les ancêtres ont pour vous. On est à Makepe. Makepe, derrière le lycée de Makepe, il y a une piscine qui s'appelle Pacha Center. Quand tu as cette piscine-là, tu prends la prochaine à gauche, tu vas traverser une église, tu vas tout droit au prochain carrefour, tu vas voir ma photo sur la villa. C'est là-bas. Qui t'a dit que c'est à l'église que tu dois prospérer? Ma chérie, qui t'a dit que c'est à l'église que tu dois prospérer? Bon. Avant de mettre votre paye, votre dîme aujourd'hui, asseyez-vous, vous bénissez votre dîme. Seigneur, j'apporte à la maison du trésor. Écrivez, hein, tu écris. Seigneur, j'apporte à la maison du trésor cette dîme. Selon Malachie 3, versets 10, 11 et 12. Seigneur, je sais que tu vas bénir le travail de mes mains. J'ouvre les écluses des cieux sur ma propre vie. Je reçois en abondance. Je protège mes enfants, je protège mes finances, je protège ma voiture, je protège mes motos, je protège ma maison, je protège... Vous avez les meublés ici au Cameroun, là. Oui, je protège mes meublés au Cameroun. Donc, je précise encore comment prier sur vos dîmes. N'oubliez pas de prier sur vos dîmes. Et si tu envoies ta dîme et que je ne te parle pas, sache que ta dîme est déjà bénie. Parce que je prie sur les dîmes qu'on m'envoie, je m'accorde avec vous. Maintenant, pour participer au lavage, maximum 10 heures, tu envoies ta photo. Sur ta photo, j'ai écrit ton nom. Nom sur la photo et puis numéro de téléphone. Comme ça, après, on peut te retrouver. Voilà. Tu envoies ça et tu envoies le paiement en fonction du pays où tu te trouves.
Je envoie sur WhatsApp, on va imprimer. Si tu as droit là, tu peux venir sur place. Bon, je fais maintenant votre... Je vais bénir, je vais vous bénir parce que vous allez bosser. Je viens bénir votre journée. Je déclare que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, tous vos actes sont bénis. Je bénis vos maisons. Tous ceux qui m'ont versé le sel dans leur maison aujourd'hui. C'est le premier là. Dans le bain des pieds qu'on va faire. J'ai fait une vidéo ici là où j'ai montré. Vous parlez sur l'eau. Vous versez le sel dedans. Plusieurs couleurs de sel. Vous déposez les pieds dedans. Vous attendez. Et pendant ce temps, ce qu'on fait, c'est quoi? Vous pouvez faire de la méditation. Bien, vous méditez ce que vous venez de demander à Dieu. Voilà. Je ferai une sorte de mini-service tout à l'heure. Ok? Quand il y aura les gens ici, on va faire ça. Ok. Envoyez l'argent et la photo. Voilà. Bénissez vos maisons aujourd'hui. La bénédiction du mois. Brûlez l'encens dans la maison. Priez sur vos enfants aujourd'hui. Bénissez vos enfants pour le mois. Prenez l'huile d'olive. Vous utilisez trois doigts. Vous... Trois fois le signe de croix. Vous avez trois doigts. Trois fois le signe de croix sur vos enfants. Si l'enfant est à distance, tu fais sur toi en touchant ton nombril. Tu dis que tu fais ça pour ton enfant. Ok. Bon, je vous bénis. Je bénis vos journées. Ok. Si vous n'arrivez pas à nous avoir au Cameroun, essayez avec une des représentantes. Bon, la représentante du Gabon, on ne travaillera plus ensemble. Donc, il faudrait que vous arrêtiez de contacter les gens du Gabon, s'il vous plaît. Bon, le Gabon, probablement mi-avril, je vais venir. Je bénis votre mois d'avril. Je déclare l'abondance sur votre journée, sur votre mois. Que chaque jour de ce mois, l'argent entre dans vos poches. Que votre salaire mensuel du mois de mars soit votre portion chaque semaine pour le mois d'avril. Donc, je multiplie vos revenus par 4 et par 5 pour le mois d'avril, au nom de Jésus. Il déclare la discipline sur vous. Vous allez vous discipliner pour faire votre travail spirituel. Je vous libère de l'oppression de l'ennemi. Il déclare que ça, c'est le mois où vos malédictions générationnelles finissent. Il déclare que tous les démons qui ont opprimé les membres de votre famille, ce mois-ci, vous les mettez à terre au nom de Jésus. Il déclare que votre force spirituelle s'ouvre. Je déclare que votre foi grandit. Je vous fortifie dans ce mois d'avril. C'est le mois où vous allez lancer votre activité. C'est le mois où l'activité que vous allez lancer en mars va doubler de chiffre d'affaires. Je protège vos enfants, je bénis vos enfants. Je déclare que vous n'allez pas vous fatiguer de faire votre travail spirituel. Vous n'allez pas vous fatiguer de faire votre travail spirituel. Je déclare aussi l'augmentation. Je déclare que je bénis même ma page, ma propre page. Je déclare que vos business en ligne vont doubler ce mois. Tous vos clients qui étaient partis là, ils reviennent à vous. Ceux qui veulent se lancer, ils ont le coaching dans n'importe quoi. Ce mois, si vous sautez le pas, il déclare que tout ce que vous avez semé, que ce soit chez les gourous, les coachs, les marabouts, peu importe, que ce mois-ci, ça revient vers vous, multiplié par 1000 au nom de Jésus. Ceux qui ont les dons spirituels qui sont bloqués, vous êtes censé opérer avec vos dons. Vos dons sont censés vous donner l'argent. Ce mois d'avril, pendant que vous payez votre dîme, j'ouvre vos dons. Au nom de Jésus, je viens vous bénir. Je viens mettre de l'avancement sur vous. Amen. J'ouvre vos dons. Je déclare que vous exposez au monde. Je vous révèle au monde par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.
brûlez le romarin, le laurier, la cannelle. Prenez la cannelle, vous mettez souvent dans votre thé, vous buvez. La poudre de cannelle, vous brûlez ça à la maison. Cannelle, laurier, romarin, ça devient votre terrain de basket. Jouez avec ça n'importe comment. Versez même la cannelle au sol, vous, après vous lavez le sol. En poudre. Prenez la cannelle en bâton, vous mettez dans le porte-monnaie avec le jujube. Il dit que tout ce que vous allez toucher le mois-ci, ça va marcher. Tout ce que vous allez toucher le mois-ci, ça va marcher. Le mois-ci, vous n'aurez que les bonnes nouvelles, bonnes nouvelles, bonnes nouvelles. Vous allez payer la dîme tous les jours ce mois. Au nom de Jésus. Vous allez payer la dîme. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une belle bénédiction, ça. Vous allez payer la dîme chaque jour. Vous allez quitter de une fois à 30 fois. Recevez votre conception. Ceux qui veulent l'enfant. Le mois, si vous concevez au nom de Jésus. Les jumeaux. Everything I put my hand go work. My name will open doors. Amen. Good news, go look at me. Amen. Vous allez, vos dons spirituels vont s'ouvrir à vous. Vos ancêtres vont vous parler beaucoup ce mois. Louise Michel. Là où je soigne, il y a déjà un endroit de recueillement. Tu as compris? Et vous pouvez me venir, là, vous dormez sur place. Vous dormez ici, là, vous rentrez le lendemain. Vous payez juste la nuit, mais vous êtes, vous vous recueillez. Tu peux mettre ma doigt là, tu viens toujours ici, là, tu dors. Parce qu'il y en a parmi vous, vous avez les maris ticon. Oui. Good news, girl, look at you. Amen. J'aime la partie là. Donc, les bonnes nouvelles vont te localiser le mois-ci. Mais... toute personne qui vous devait de l'argent vous donne, même sans que vous demandiez. Je prophétise aussi sur votre mois. Vous allez acheter le terrain ce mois. Vous allez acheter le terrain. Dites seulement amen en avance. Amen. D'ici septembre, votre maison sera construite. Il faut d'abord acheter le terrain le mois d'avril. Si. Vos maisons de 400 000 euros là, on va approuver ça. Vous allez rembourser le crédit là en un an et demi. On va vous approuver ce mois. Et vous remboursez le crédit là en un. Je vous donne 18 mois pour rembourser les 400 000 euros à la banque. L'argent c'est quoi? Si tu gagnes 1 000 euros par jour, ça veut dire que par mois tu as 30 000 euros. Peu importe le crédit qu'il y a sur ta maison, ma chérie. Vous parlez de quoi? Vous voulez que je commence à parler? Je vais parler, parle. Dites que parle. J'ouvre votre esprit. Tu vas conduire la Cayenne en France. Tu vas conduire la Cayenne année 2022 en France. Parce que ça, c'est des choses que les Noirs ne font pas. Oh non, ça, c'est pas pour les Noirs, ça. C'est pas pour les Noirs, ça. Vos banquiers. Oh non. Je causais avec ma soeur jumelle qui est venue ici là. Elle me dit que c'est satisfaisant quand tu as beaucoup d'argent en banque et le banquier commence à te poursuivre. Vos banquiers ne connaissent pas vos noms pour l'instant. Le mois d'avril, c'est là ton banquier va connaître ton nom. Vos banquiers vont vous harceler que madame, placez la moitié de votre argent que madame. Madame, nous avons des propositions. Vous pouvez prendre la F-Pace, vous pouvez prendre la Range Rover, vous pouvez prendre madame, oui, c'est vraiment, on va vous faire de bons de réductions dessus. Madame, oui, franchement. Pour payer la dîme, voilà le numéro en haut là-bas, vous envoyez seulement. Le nom qui s'affiche, c'est Joséline. Soit c'est des Gift Giver Academy, soit c'est Joséline. Si tu fais sur MTN, ça ne marche pas, tu fais sur Orange. Ça ne marche pas sur Orange, tu fais sur PayPal. N'importe quoi, comment, n'importe comment. Tu peux même faire le Western Union. Tu me demandes le nom, je te donne, tu peux faire le Western Union. Que madame. Tu pars dans ton garage comme cela. Tu prends la Range Rover. Deux mois, tu as fini de payer la voiture. Tu t'ennuies encore, tu dis que quoi? Il faut qu'on prenne la Bentley. Il y a les voitures que... ouais, Seigneur. Donc, je sens ça. C'est comme si ma part de Bentley là-bas, de, ok, va aller chercher que maintenant.
avant que quelque chose ne vienne physiquement dans ta main, tu dois fusionner d'abord spirituellement avec la chose. Jusqu'à tu restes comme ça, là, tu t'aimes si tu... Donc c'est comme si tu vas sortir, tu vas prendre ça que maintenant. Tu dois d'abord fusionner dans ton esprit avec la chose. Est-ce que vous savez qu'on nous a déjà tellement démunis? Au Cameroun, ta famille est pauvre. Tu arrives même en Europe, quand ils parlent, on s'arrive voir le sang, l'onction sur moi. Jesus is Lord. Jesus. L'onction de prospérité, là, c'est quelque chose. Hein. Mamma mia. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Ils sont en train d'arranger, votre vision est en train d'être arrangée. Yes, voilà ça, tu souffles la cannelle à l'entrée de ta maison. La dîme, c'est 10%. Hein. On ne veut pas savoir si tu as beaucoup d'argent. J'ai des gens qui me donnent 1500 francs de dîme. 1500 francs. J'ai un jeune homme, il a fait 2 mois, il m'a payé la dîme, 7500, 7500. Hier, il a payé sa dîme, il m'a donné combien? 20500. Ou, non, 25500. Le mois passé, il a donné 7500 de dîme. Donc, vous pouvez voir combien c'est revenu augmenté, non? Vous pouvez deviner, non? Vous pouvez deviner, non? Ta famille au Cameroun est dans la pauvreté. Vous vivez à Bipanda. Tu es arrivé en France, tu es parti t'installer dans les pauvres quartiers. Je t'annonce aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je ne parle pas pour vous faire plaisir. Dans 6 mois, tu vas rester. Tu vas voir le quartier où tu vis. Tes enfants vont dans l'école privée. En France, en Angleterre, tout ça. Tu payes aisément 20 000 pounds pour l'école de l'enfant, sans souci. Ton enfant part dans les grammar school. Tu payes 20, 25 000 euros pour l'enfant. Donc, sans te casser. Tu dis, madame, je vous donne le RIB pour que vous fassiez le paiement. Pour prenez l'argent, pas de souci. Vos enfants ne vont plus partir dans l'école de tout le monde. Même le Russian College, là, sera... Russian, c'est Russian, quoi, là. Au Galaxy, là, ce sera petit pour vous. Il y a des écoles de 3 millions, de 7 millions au Cameroun. Les écoles américaines, là, ce sera petit pour vous au Cameroun, maintenant. Les Fustel, les Dominique, quoi, là, où. Je vous dis... Gaston, t'es venu me voir aujourd'hui. Bonjour Gaston. Voilà Gaston. Bonjour Gaston. Gaston, Gaston. Et il a sauté. Gaston a sauté pour moi. Gaston, viens. Gaston. Gaston. Mon lapin la crâne souvent. Il a quand même me fait plaisir. Oh, Gaston est parti. Il sait que je suis né pour l'abondance parce que j'aime toucher Gaston. Je prends Gaston comme ça, je touche sa fourrure. Je touche sa fourrure. Ah, Gaston. Louise Michel, tu ne peux pas te voir depuis 5 ans, c'est trop long. Tu dois te voir et dans 3 mois, tu te vois dans ta voiture. Tu dis que quoi? C'est trop long. Tu rêves de quelque chose depuis 5 ans, ça ne vient pas. Moi, je ne veux pas toujours des rêves là. Donc, je vous disais que vos enfants vont partir. Tu vois, quand tu arrives en France, les gens, tu vois les gens dans les grosses voitures. On dit non, c'est parce qu'il est médecin, c'est parce qu'il est avocat, c'est parce que tu sais, c'est ah, mieux de non. Mieux de non. Écoutez-moi. Le mois-ci là, tu vas rester comme ça là, tu vas dire massa. Tu pensais acheter la maison. Tu voyais que non, si j'achète la maison, je dois acheter une petite maison de 150 000 euros. Tu vas calculer que la maison de 500 000 euros maintenant. On demande l'apport. Tu prends 300 000 euros d'apport, tu le donnes. J'aime l'insolence. Oui, le PayPal, c'est le mail qu'on a mis là. Tu vas plus regarder les gens dans les voitures, tu es dans le métro chaque jour. Tu vas me voir la ménagère en France. Tu vas voir la femme de maison. Tu vas voir
Vous savez, il y a des choses que tu... Avant, vous croyez que c'est seulement au Cameroun que vous pouvez ça. Bon, je peux avoir l'aménagé au Cameroun. Djobala, on te cherche. Le voilà. Voilà Djobala. Djobala, bonjour, les gens te cherchent. Ne fuis pas. Tu ne sautes pas aller où? Où est ses fesses? Djobala, les fesses. Voilà monsieur Gaston. Gaston, Gaston. Gaston? Il est en train de trancher ses dents. Il quoi? Il lime ses dents. Hein. Je sais qu'il y en a parmi vous. C'était pour vous, c'était un peu comme le rêve. Genre. Tu vas m'envoyer le chauffeur en France. Tu restes en main comme ça, tu as le chauffeur. Oui. Tu as le chauffeur. Jusqu'à toi-même, tu Wanda. Que dont l'affaire, si était possible. Oui. Il dégage chauffeur. Chauffeur. Adeline, il y a les habits ici. Oh. La pluie va tomber. Vous avez. Il y a des choses que quand vous êtes arrivé en Europe, on vous a dit que ce n'est pas possible. Du coup, vous avez bloqué votre esprit. Moi-même, je suis arrivé en Angleterre. Moi, je savais, vous savez que les Nigériens ne blaguent pas. Les Nigériens, ils sont toujours une autre dimension. Donc, tu regardes ça, tu dis ah, mieux de non. Mieux d'eux. Quand Dieu a commencé à nettoyer mon esprit, mes pensées là, Dieu me dit que tu dis mieux d'eux que quoi? Voilà une poule qui sort. Et puis, il y a aussi ce truc là qui fait que parfois, vous vous sabotez vous-même. Vous pouvez partir. Votre mindset change. Vous revenez maintenant. Quand tu reviens au Cameroun, même dormir chez vous, ton standing change. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que psychologiquement même, il y a les quartiers où ils ne peuvent pas venir habiter au Cameroun. Parce que ah, nous, on a tout vécu à Bepanda. Nous, on a tout vécu à Bepanda. Ah, moi, je n'ai pas habité Bonapriso. Ah, c'est pour les riches. Alors que Dieu veut te bénir depuis. Hein. Dieu essaie de te convaincre n'importe comment. Mais toi-même, cherchez le quartier le plus riche de votre ville là-bas en Bengue. Il y avait Solihull par exemple. Parce que quand tu es en Angleterre, on disait que les riches vivent à Solihull, tu vois. Et j'avais toujours cette rage à l'intérieur de moi, genre, pourquoi la société est classée? Pourquoi on a dit que, bon, toi tu es pauvre, ça veut dire que tu seras toujours de ce côté. Toi tu es riche. Maintenant, quand ton mindset change, la prochaine fois que tu retournes là-bas, naturellement, tu pars là-bas. Tu vas acheter la voiture, naturellement, tu vas prendre une Mercedes neuve. Tu ne vas pas chercher. Parce que la pauvreté, d'abord, c'est dans l'âme. Dans le mois d'avril-ci, j'enlève toute blessure d'âme de pauvreté que vous avez. Tout ce qui est dans votre âme qui fait que vous êtes toujours en train de vous saboter. Vous êtes toujours en train de repartir dans la pauvreté. J'enlève ça de vous, au nom de Jésus. Amen. Short Mini, tu as démissionné. Aïe, aïe, aïe. Non, tu es vraiment décidé. Si toi tu as démissionné, toi qui tenais tellement à ton boulot là, si tu as démissionné, ça va. C'est bon. C'est que tu peux prendre ton envol finalement.
Ceux qui sont dans la ville de Douala, il va pleuvoir. Que cette pluie soit une pluie de bénédiction pour vous. Pardon? Non, mettez dans la case là-bas. Il y a des moments où ils ont besoin de contreplaqué ici pour travailler. Et puis on va bientôt faire le feu de bois ici. On aura besoin de bois, madame. Non, non, non. J'ai envie de poules là, me donne envie de les attacher. J'aime pas ça. Arrêtez encore de les mettre dans la cage là-bas même. On peut pas dresser les poules pour qu'elles chient à un endroit. Hein? J'ai mes poules ici à la maison, elles se chient partout. Tu fais comme ça, la poule, si elle veut faire caca, elle part quelque part, elle chie. C'est quel caractère d'animal que quand il veut chier, il fait seulement pas, seulement fait ça partout. Bon. Baba, j'ai fini mon message, bye. Bye. Bonne journée, je vous mets la bénédiction sur vous aujourd'hui. Que la pluie ici vous donne la bénédiction. Ah, il pleut déjà à Japoma, hein. Ok. Vous voyez, les Decepticons de pluie, cela veut vous empêcher de venir faire votre lavage. Maintenant, on va voir si vous êtes déterminé ou pas. Short Mini, je sais que tu as fait ton témoignage. J'ai tellement de messages. Pour qu'ils voient le message de quelqu'un, vraiment. Il y a des gens que seulement après 2 mois qu'ils voient le message. Donc écrivez seulement. Pendant que tu écris ton message, je le monte au-dessus des messages. Ne vous découragez pas, je vous en prie. Bon, vous passez une bonne journée.